messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car je voulais vous parler du nouveau mort que j'ai acheté pour Bad Boy. J'ai décidé de lui acheter un nouveau mort car pour l'instant, il avait soit un mort à aiguille avec une petite roulette en cuivre au milieu, toujours double brisure. Moi je suis team double brisure. Et un mort grand anneau en cuivre simple, double brisure aussi. Sauf que avec ces deux morts là, Bad Boy est très sur les épaules. Il est assez lourd dans la main et il s'en sert, il s'appuie énormément. Et du coup voilà, et puis surtout, il est complètement figé de la mâchoire, il ne se décontracte jamais. C'est Bad Boy, il mâchouille jamais son mort. Never, never ever. Du coup, je voulais essayer un nouveau mort avec un effet un peu plus décontractant pour voir si ça changeait quelque chose. Quand j'ai vu ce mort, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors voilà le mort en question. Donc comme vous pouvez le voir, il est à double brisure comme d'habitude. Moi je ne mets que ça. Donc il y a une petite roulette au milieu en cuivre. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il a également les petites roulettes sur les canons. Voilà, donc il y en a deux qui bougent séparément. Donc il a des anneaux de taille simple. Et voilà, donc c'est de la marque Jumpin. Juste ici, et la taille 135 pour Bad Boy. Voilà. Alors, j'ai trouvé ce mort sur le site More and More. Donc je vous mets le lien dans la description. Et donc sur ce site internet, ils ont tous les morts possibles et inimaginables. Et surtout, ce qui est super, c'est que on peut louer le mort pour une période de 10 jours. Voilà, pour être sûr que ça convienne bien à son cheval. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que quand on sait le prix des morts, ça peut être pas mal de les essayer d'abord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle mort vous mettez à votre cheval. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.